Bonjour à tous. Kémi Séba est en Guyane. L'auteur, penseur et activiste anticolonialiste et panafricaniste est chez nous pour une semaine. Il a été invité par le comité drapeau à l'occasion des commémorations de l'abolition de l'esclavage et de la traite négrière. Écoutez les explications de Servé Alphonsine, membre du comité drapeau. Kémi Séba est en train de faire une tournée internationale pour dénoncer l'impérialisme, le néocolonialisme et le colonialisme. Comme nous sommes une terre colonisée, sa visite rentre dans ce cadre. Dans le cadre de ces conférences, vous avez l'impact que Kémi Séba a sur la jeunesse, notamment la jeunesse africaine, et par voie de conséquence sur la diaspora aussi africaine. Donc ici, quand la population est constituée principalement au moins à 60-80% de la diaspora africaine, de personnes d'ascendance africaine, eh bien ce message de Kémi Séba permettra, nous l'espérons en tout cas, d'élever un peu la conscience de notre peuple. Servé Alphonsine répondait à Gaël Wassim. Sachez que demain à 18h, une autre conférence sera donnée à la mairie de Saint-Laurent-du-Maroni. Et puis vendredi, ce sera à la chambre de commerce également à 18h. L'invité café, il continue sa croisade contre le néocolonialisme au XXIe siècle. Nous en parlons avec l'activiste panafricaniste Kémi Séba. Il est notre invité café ce matin. Bonjour Kémi Séba. Bonjour mes très chers frères. Alors, est-ce que vous me tiendrez rigueur si je vous appelle également Stelio Capochichi? Vous pouvez m'appeler, bon, la seule différence c'est que Stelio est un prénom italien et comme je l'ai dit à mes parents, je pense que c'était une mauvaise inspiration étant donné que, comme vous le voyez à mon faciès, je n'ai pas trop la tête de Francesco Totti. Il n'en demeure pas moins que la traduction de Stelio, qui est le prénom que mes parents m'ont donné, c'est Séba. Séba, c'est dans la plus ancienne langue du continent africain qui est le Medunecer. Et donc j'ai simplement honoré mes parents en leur donnant la même définition dans une langue africaine. Et Kémi étant le qualificatif qui signifie noir, Kem, charbon ou africain. Voilà pour la précision. Alors votre présence en Guyane en semaine d'abolition de l'esclavage, vraiment un hasard du calendrier? Un hasard du calendrier parce que je pense qu'il n'y a pas d'abolition. Pour vous dire les choses telles qu'elles sont, on célèbre, on parle d'abolition quand le crime cesse. Et quand on change de situation, alors lorsque je fais le tour aussi bien de ce que le système colonial appelle les territoires d'outre-mer, soi-disant, qui ne sont rien d'autre que des colonies contemporaines, ou alors même dans les pays d'Afrique de la zone franc, qu'on appelle des pays indépendants, qui ne sont en réalité que des colonies contemporaines, elles aussi, on se rend compte que le colonialisme continue sous diverses formes. Le génie du capitalisme, c'est être dans une démarche introspective visant à toujours remettre en question sa méthodologie de prédation, pour toujours être le plus efficace. La quête du profit, si on doit sophistiquer les choses, on le fait. Et c'est dans cette démarche qu'ils sont, évidemment. Donc, quand cette lutte est encore d'actualité, elle sera encore pendant longtemps? Elle le sera pendant longtemps, je ne sais pas. Les choses sont en train quand même de grandement changer. J'ai commencé l'activisme politique il y a 20 ans, à l'époque, en 1999. Très peu de gens étaient au sein des masses intéressés par ce genre de situation. Et aujourd'hui, un peu partout où nous allons, c'est quand même un certain nombre de foules qui, en Afrique francophone, comme dans la diaspora, se réunissent parce qu'elles sont sensibles à ces questions d'autodétermination. Il n'y a pas de raison que tous les autres peuples de la Terre aient droit à ce principe qui est censé être un principe universalisable. Mais de l'autre côté, en ce qui concerne les populations afro-africaines ou afro-descendantes, on a l'impression que c'est un luxe qu'on devrait se payer. Je crois que c'est pas normal. Alors justement, au-delà de ces rassemblements, de ces discours qui sont de plus en plus qui suscitent de plus en plus d'intérêt des populations, vous l'avez dit, en 20 ans qu'est-ce qui a réellement changé? En 20 ans, qu'est-ce qui a véritablement changé? C'est que on est passé d'un stade, je dis toujours que pour se libérer physiquement, il faut d'abord être capable de se libérer mentalement, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Je pense qu'on est au-delà du premier pas. Je vais donner un exemple précis qui est celui pour lequel on m'a interdit de rentrer dans 4 pays en France, en Afrique visiblement, preuve que notre Le Sénégal. Sénégal, où je travaillais comme journaliste politique sur une des plus grosses chaînes depuis 2012 et où j'ai été expulsé en 2017 dès lors que je me suis prononcé sur la question de la souveraineté monétaire et politique des pays d'Afrique francophone. Je suis interdit de rentrer aussi en Guinée qui n'est pas ça. Brûler un billet, c'était quand même... Ça a été visiblement compris par la plupart des gens, puisque, non, choquant pour les maîtres de la plantation, mais pas pour la population qui m'a soutenu en nombre dans toutes les capitales d'Afrique francophone, de telle sorte que le juge au procès a dit que nous avions réussi à retourner la jeunesse d'Afrique francophone
contre cette monnaie, ce qui était quelque part un compliment pour nous autres, même si c'était pas un compliment dans sa bouche. J'ai été acquitté, preuve que nous avions respecté la loi. C'est un billet de combien encore, 5000 francs CFA? 5000 francs CFA, ah ouais, tout à ça, fait, ouais. Voilà. Mmh. Et c'était une démarche symbolique. Quand Gainsbourg brûle un billet, on l'applaudit, on dit que c'est un artiste, alors que lui n'avait pas un problème d'argent, ne dénonçait rien. Quand nous, lui dénonçait simplement les impôts, problème de riches. Quand nous, nous dénonçons le pillage systémique qui fait qu'on est obligé de donner 50% des réserves de change donc à la banque française, à la Banque de France, et alors qu'on dit que nos populations sont pauvres, alors qu'en réalité on est en train de fournir et de nourrir l'autorité française, eh bien on se rend compte que c'est considéré comme un acte irrévérencieux. C'est quelque chose d'intéressant à souligner, mais aujourd'hui il y a une prise de conscience de masse qui est effectuée un peu partout, et je pense que c'est cela le travail qui est en train de se faire et qui est l'étape préliminaire pour arriver au principe d'autodétermination. Pendant trop longtemps, dans les périodes dites indépendances ou à l'aube des indépendances, c'était un combat d'élite. C'était les penseurs, l'intelligentsia qui parlaient entre elles. On était dans l'entre-soi pour régler les problématiques justement de sortie du système colonialiste. Mais si vous n'éduquez pas la population, si vous ne poussez pas la population à être dans cette même démarche, on est quelque part très loin de la dynamique de l'intellectuel organique. C'est dans cette démarche-là que nous nous situons. Prise de conscience de masse, c'est ce que vous dites, mais est-elle vraiment réelle, cette prise de conscience? En tout cas, il faut de demander ça. Risque que vous prenez pour prêcher la bonne parole, on va dire. Il faut demander ça à Dominique Strauss-Kahn, qui lui-même disait que si les autorités françaises ne prennent pas des décisions fortes en ce qui concerne la question du franc CFA, on risque de voir s'aggraver le phénomène de massification, de dénonciation de cette problématique-là. C'est Dominique Strauss-Kahn qui, a priori, n'est pas un ami de Kémy Séba, ni d'Urgence panafricaniste, qui reconnaissait la force de frappe de nos mobilisations, de telle sorte qu'aujourd'hui, il n'y a pas une semaine qui se passe sans qu'un président d'Afrique francophone se sente obligé de se prononcer sur les questions relatives, je sais que c'est sensible de le dire dans Guyane Première, mais je le dis quand même, sur les questions relatives de néocolonialisme et de France-Afrique. Alors, le cas de la Nouvelle-Calédonie, Kémy Séba, comment l'analysez-vous? Le non à l'indépendance qui l'emporte. Et ici, beaucoup de frilosité, on va dire, vers plus d'autonomie. Alors, est-ce que finalement, ce ne sont pas... quelque peu attaché à cette domination française que vous dénoncez, coloniale. Je me méfie déjà de l'addition de ces deux exemples qui, a priori, sont des exemples extrêmement différents. Je vais commencer par la Nouvelle-Calédonie, parce que la population kanak est bien plus mature qu'on ne le pense. Je suis d'ailleurs en cours de négociation pour arriver d'ici peut-être 2 mois, 3 mois maximum en Nouvelle-Calédonie, pour être du côté, bien évidemment, des indépendantistes. Et le retour que j'en ai, c'est que beaucoup observent qu'il y aurait eu peut-être des irrégularités lors déjà des élections. Ça, c'est la preuve, enfin, du moins de ce référendum, c'est une chose qu'il est nécessaire de rappeler. Et de l'autre côté, un certain nombre de personnes disent que nous n'avons jamais été aussi proches de cette porte de sortie. Mais il y a une porte de résistance aussi qui est présente, qui est installée par certains kanaks, qui, il faut pas qu'on se mente, sont reliés, eux aussi, au système colonial. Il ne faut pas croire que le système colonial, comme le disait Fanon, c'était simplement un problème de blancs et les noirs étaient les colonisés. Il y a des gens qui sont des noirs et qui sont eux-mêmes les premiers représentants de ce système colonial. On en sait quelque chose aussi ici. Et en Guyane, comme on en sait quelque chose en Afrique. De l'attachement, tout oui, simplement. Oui, c'est un petit peu comme la personne violée. La relation symbiose. Tout à fait, symbiose comme le violé qui... Ou une peur de l'inconnu. J'y arrive. Comme le violé qui, quelque part, n'arrive pas à se séparer de son violeur systémique. C'est quelque chose qui existe. Il y a un nom, il y a un qualificatif médical pour cela. Et de la même façon qu'à la période à l'aube des indépendances ou à l'aube de la prétendue abolition, il y a des gens qui disaient, mais si on arrête l'esclavage, si on arrête la colonisation, qu'est-ce qu'on va connaître de mieux que en étant éloigné du maître? C'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui fait partie du processus historique, mais ça ne signifie pas pour autant que c'est une finalité en soi. Pour certains, c'est un plafond, pour d'autres, c'est un sous-sol. Et je pense qu'on est à l'aube d'un basculement historique. On le voit un peu partout dans le monde. Tous les peuples s'approprient ce principe d'autodétermination. Et je pense que même si ça prend du temps, parce que le colon français a été un génie pour javeliser l'état d'esprit de ceux qui ont été opprimés. Et donc, c'est pour cette raison-là, je pense que ça prend un peu plus de temps que, par exemple, dans les anciennes colonies anglophones qui sont aller beaucoup plus vite sur ce principe d'autodétermination. Pour la Guyane, moi je rencontre les populations, on dit qu'ils ne sont pas pour l'autonomie. Je vais vous dire une chose. Vous savez, il faut pas confondre, par exemple, on nous parle du Rassemblement National, de ces clowns du Rassemblement National, on nous parle de divers partis politiques qui font la pluie et le beau temps. Ils progressent ici. Oui, c'est pas qu'ils progressent, c'est que le taux d'abstention n'a jamais été aussi fort. Et comme on est dans une démarche où le vote blanc ne compte pas, et où l'abstention n'est pas véritablement prise en compte, on ne compte que ceux qui votent. Et donc, si parmi la petite parcelle qui vote, eh bien ceux qui sont les plus nombreux
eh bien, se font entendre, eh bien, on donne l'impression qu'il y a une montée en puissance de ces partis. Or, la vérité... En même temps, cette petite parcelle ne cesse d'augmenter. J'y arrive, oui. Ouais. Dans le royaume de la défaite, on peut toujours mesurer quelle est la proportion des choses qui est en train d'augmenter. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que le système politique en Guyane est aujourd'hui délégitimé par la majeure partie, l'écrasante partie de la population. C'est une étape déjà fondamentale dans la prise de conscience. Ça veut dire qu'ils ne croient plus en ces arnaques. Et la prochaine étape, c'est que maintenant, plutôt que d'être simplement dans une dynamique de contestation, pouvoir se réunir à l'intérieur d'un courant qui pourra parler des préoccupations réelles de la population. Nous sommes en pourparler en lien avec un certain nombre d'organisations ici, voilà, pour essayer de faire le plus possible d'efforts pour que on arrive à formaliser les choses et qu'une contestation politique. J'ai dit plusieurs courants, bon, il n'y en a pas des milliards ici. Donc je pense que vous devinerez que ce n'est pas la République en panne ou en marche ou le Rassemblement hypocrite national. Alors quel regard justement portez-vous? Vous êtes responsable de vos propos, bien sûr. Tout à fait. Aujourd'hui, et je vous exempte de toute responsabilité, bien sûr. Quel regard portez-vous sur justement ces pays qui ont franchi le pas vers l'autodétermination ou même l'indépendance et puis qui aujourd'hui, il faut le dire, ne fonctionnent pas ou en tout cas en toutes les peines du monde, que ce soit sur le continent africain ou alors dans la Caraïbe. On peut citer par exemple Haïti. Voilà. Savez, c'est toujours l'exemple qu'on donne. Moi, ça me fait penser un petit peu à l'esclave qui rebelle. Qui voulait quitter la plantation. Et lorsqu'on l'attrapait, on lui coupait le jarret, on le fouettait, on lui brisait les os. Et on disait, regardez, il a voulu s'échapper, et regardez ce qu'il est. Est-ce que ça vaut le coup d'être libre quand vous voyez son état? Non, il vaut mieux rester à la plantation. J'y arrive. Ce sont des exemples qui ne signifient pas que, de manière générale, l'indépendance aboutit à ça. Je peux vous donner un milliard d'exemples de pays qui ont été indépendants. La Chine a été colonisée. Aujourd'hui, c'est la première puissance mondiale. Non, mais ma question, est-ce que ces exemples ne font pas peur, justement, Alors, si c'est ça la question, je vous dis que c'est fait pour faire peur. C'est-à-dire qu'il y a un processus dans le monde, entre guillemets, francophone, qui est fait pour que les populations afro, qu'elle soit afro-diasporique ou afro-continentale, soit effrayée par le fait de couper le cordon ombilical. Mais c'est quelque chose qui est en train progressivement de changer. Il y a une nouvelle génération qui est complètement décomplexée. Je ne suis pas une exception qui confirme la règle. Partout où nous allons, nous voyons des gens, même qui travaillent parfois dans l'administration, même parfois qui travaillent dans des radios, des télés dites françaises, qui sont plus rebelles que moi, mais simplement ils ne peuvent pas le dire derrière le micro. En deux mots, Kémy Séba, l'indépendance, justement, ça passe par quoi selon vous? La révolution ou au contraire la discussion? Moi, je pense d'abord par la connaissance de soi, la compréhension des enjeux, la compréhension de la géopolitique, parce que le problème aussi de nous autres afro-descendants, ou guyanais ou africains de manière générale, ou caribéens, c'est qu'on a tendance à croire que le monde s'appuie sur une dichotomie entre la France et les populations afro. C'est un petit peu plus complexe que ça. En dehors de la France, il y a un tas d'autres pays qui peuvent être aussi des alliés géostratégiques pour que l'on puisse avancer. Et je pense que tôt ou tard, il va falloir couper le cordon ombilical avec l'entité qui n'a commis que viol depuis un certain nombre d'années pour qu'on puisse être dans une dynamique de pouvoir avancer. Merci Kémy Séba d'avoir répondu à nos questions ce matin. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.